Monsieur Bayard, me permets-tu de t'appeler Valentin ? Avec plaisir. Très bien. Allons-y donc. Valentin, mon cher Valentin, la vie est une maladie sexuellement transmissible. Peut-être. Écoute, j'ai senti ta fébrilité le long du discours. Oui, je t'ai vu tordre ton magazine Calisté comme ça, le tenant de toutes tes mains, le serrant fort. Toi qui parlais d'homosexualité. D'abstinence. Voilà, j'ai senti une crainte. Mais tu as levé une vérité. Effectivement, la vie est une maladie sexuellement transmissible. Mais, il existe des remèdes, mon cher. C'est pour cela que ton BDE essaye de se avant le week-end d'intégration, a prévu de vous donner 12 000 anti-maladifs pour vous permettre de prospérer tout au long de ce week-end. Donc voilà, ton goodies, tu seras donc moins... Il existe donc des remèdes, je l'ai dit. Te voilà bien muni. À part cela, tel un cupidon, tu vas saisir ton arc, mon cher Valentin, et tes flèches ont fait plus ou moins bouche. Je dois l'avouer. Donc bravo à ton éloquence, un bon départ. Luc, mon cher Luc, toi aussi je t'ai senti fébrile. Tu n'avais pas de magazine Calisté dans tes mains, mais tu as saisi un petit papier comme cela, voilà, et tu l'as aussi tordu en forme de cheminée. Donc toi aussi, tu t'es senti fébrile et pas nécessairement convaincu par la teneur de tes propos. Tu t'es peut-être dit que la vie était une maladie finalement sexuellement transmissible. Donc je te fournis aussi ce cher paquet de préservatifs qui te permettra de te protéger de tous ces problèmes. Voilà, on applaudit, s'il vous plaît, c'est bon, c'est bien. Je t'ai senti fébrile, je te le redis. Oui, ton sac à dos. Peut-être as-tu oublié ton cher sac à dos que tu travailles partout depuis quelques semaines. Il te manquait quelque chose. Il te manquait quelque chose, ton porte-bonheur, effectivement. Ensuite, tu t'es senti fébrile. Certains t'ont donné un surnom en verlan, les foiseux. Bon, j'ai entendu ça par une bribe. Cul, bon, soit. Bon, tu finis par justement une blague sur le cul. C'est ça qui m'a fait penser, sinon je n'aurais pas osé en parler. Tu parles également d'analogie. Bon, peut-être y a-t-il un problème de ce côté-là, je ne dirai rien. Certes. Bon, voilà, tu parles aussi d'abus de langue. Abus de langue, parlons plutôt d'abus de langage, de langue. Aurais-tu oublié quelque chose? Peut-être est-ce ta chope, tout près de la chapelle, qui juste avant t'as fait perdre tes pédales, finalement. Donc bon. Bref, je n'ai pas tout compris à ton argumentaire, Luc, je suis désolé. En tout cas, je salue le fait que tu sois venu ici plaider parce qu'un Benjamin Coffin, qui finalement n'a pas su gérer son événement, est venu te supplier en te quémandant une pinte. Toi qui souvent traînes aux feuilles, comme lui. Mais bon, je reconnais ma défaite, tu m'as battu au Raoult. Tu es donc un fin sprinter, il te manque peut-être un peu d'endurance.